Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Nasty. Alors Nasty n'a ni prénom ni nom, on ne sait pas. Il s'appelle Nasty. Un peu comme Zorro. Par exemple, Zorro a un masque, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas. On sait, nous, par contre, spectateurs, qui s'appelle De La Vega. Mais Nasty, on ne sait pas. Alors Nasty est un artiste graffeur. Il travaille dans la publicité, dans une grande maison de publicité française, qui est d'ailleurs à Paris, vers les Champs-Élysées. Et Nasty est un graffeur au sens propre, comme au sens figuré. Il est spécialisé dans le tracé des lettres, dans l'écriture. On peut voir de temps en temps, ses œuvres, sa signature. C'est-à-dire qu'il signe lui-même sa propre signature, ce qui est incroyable, par l'entremise de sa signature. Je sais, c'est un peu abscon, mais par contre, dans la compréhension, il faut voir les choses en face. Il ne fait pas un dessin, une picture, une sculpture, il ne fait pas quelque chose. Il va signer les murs, ce qui est assez original, ça veut dire qu'il signe du vide, où on pourrait croire, peut-être à contrario, que même s'il ne signe pas du vide, puisque quand il graffe un immeuble avec sa signature, on pourrait croire que c'est lui qui a construit l'immeuble, et que par fierté, il met sa signature sur l'immeuble. Mais au-delà de ça, il pense que son nom et son écriture est suffisante pour créer une œuvre, ce qui est quand même très fort de sa part. Il va nous l'expliquer, bien entendu. On va voir s'il affirme ou s'il prétend faire partie du mouvement street art. On va essayer de voir si son travail est véritablement un travail artistique au sens propre ou un travail peut-être auto-centré ou simplement peut-être, je le dis sans animosité bien sûr, mais peut-être un travail purement gratuit de lui avec lui-même. Mais en tout cas, dans notre émission, on essaye d'accueillir un peu tous ces mouvements, toutes ces personnes différentes, pour essayer de comprendre et d'analyser et de sortir de cette espèce de bien-pensance qui consiste à dire que nous sommes tous des artistes. Alors admettons que nous soyons tous des artistes. Dans tous les cas, si on admet que nous sommes tous des artistes, nous ne fabriquons pas tous des œuvres d'art, heureusement. Donc voilà, je pense que maintenant il faut essayer d'étudier le problème de l'intérieur. Donc Nasty, nous voilà. On va voir ce qu'il a dans le ventre, ce garçon. Le graffiti, c'est une forme d'expression en fait. Les gens écrivent sur les murs depuis la nuit des temps. Mmh. Et notre mouvement à nous, il s'inscrit dans cette continuité. Dans le mot expression, il y a les valeurs de l'expressionnisme. Je parle de Munch, je parle du cri, on en parle assez fréquemment. 1898, tout à fait la fin du 19e, c'était la revendication. Pourquoi une revendication? Est-ce que c'est la revendication du street art qui dit et qui prétend « Nous aussi, on a le droit d'être dans les galeristes » Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de talent et je trouve que dans le street art et dans le graphe, il y a une vraie pureté d'esprit, au-delà des phénomènes de foire que sont les utilisateurs de plastique, de monochrome et de toutes ces choses-là qui sont absolument sans intérêt. Il y a dans le street art, et d'ailleurs c'est pas un hasard si ça fait 15 ans qu'on en parle, il y a vraiment un phénomène de société et dans le mot expression, il y a le mot revendication. Alors, est-ce que tu es d'accord avec l'idée que on se met tous sur la pointe des pieds et on dit « nous aussi, on a le droit d'exposer ». Et à qui tu te confrontes? En fait, je ne peux pas répondre précisément puisque la chose, elle m'est tombée dessus en fait. Moi, à la base, j'ai fait du graffiti. J'étais jeune. J'ai offert mon art à la ville et derrière, il n'y avait aucune intention d'exposer en galerie. Ça, c'est l'art. L'art, c'est pas celui qui va courir les galeries pour flatter son ego ou sa mégalomanie. Là, on est vraiment dans un véritable artiste. Alors, à savoir, est-ce que l'artiste fait toujours des œuvres d'art? Ça, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est certain que tu es un artiste et qu'on est venu te chercher, entre guillemets. Ouais. Mais tu n'as pas couru les galeries en frappant à toutes les portes en disant, voilà, je vais exposer. Non, parce qu'en fait, à l'époque, personne n'aimait ça. On nous courait après. Enfin, on a fait aussi ça parce que c'était aussi interdit. La police nous courait après aussi. Le côté subversif est interdit. Voilà. C'est ça qui nous attirait. Aujourd'hui, ce qui attire les gens, c'est aussi le côté subversif qu'on a ramené de la rue. Donc, les gens exposent ça chez eux parce qu'il y a une espèce de point d'insolence qui garde. Moi, dans mon boulot, en fait, quand je peins sur des plaques de métro ou que je récupère des éléments de la rue,
C'est ça qui plaît aux gens. Et aujourd'hui, je dirais même que je fais de la préservation du patrimoine. C'est-à-dire que quand je vole les plaques de métro, oui, on les voit sur Internet de partout. Châtelet, maintenant, ça devient L-E-T. Il n'y a plus, tu effaces quasiment le début du mot. C'est assez drôle. En fait, tu fais une conjugaison, ça devient très grammatical. Oui. Mais quand même, tu as dit subversif. Attention, sens, on n'est pas aussi subversif que Picasso en 1907 qui fait Les Demoiselles d'Avignon, en pleine époque impressionniste et post-impressionniste, un peu même l'époque un peu cézannienne, on n'est pas vraiment dans la subversion, c'est relativement sage. Le jour où Picasso fait un nez de travers et un seul sein pour une femme dans une, enfin j'allais dire dans un endroit pour les garçons, à Barcelone, bon, moi quand je dis subversif, c'est, à mon sens, c'est relativement sage. Après, en fait, tu veux dire que tout le monde critiquait ça en disant le graffiti, ça appartient à la rue, ça n'a rien à faire en galerie. Donc il y avait plein de gens qui étaient contre ça. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment du street art alors? Est-ce que c'est toujours du street art? J'ai essayé justement de garder un pied dans la rue en me disant tiens, j'ai vu des plaques de métro, j'ai dit ok. Tu es l'un des rares. Ils aiment pas le graffiti sur toile, et je vais pas faire de graffiti sur toile. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre des plaques de métro et que j'en ai fait un support parce que ça ressemble à une toile finalement, c'est carré. Il y a déjà, enfin c'est un support surface. C'est du support surface. C'est un support qui a du sens. Donc c'était une manière, c'était un pied de nez à tous ceux qui disaient que ça existait que dans la rue et qu'en galerie ça, c'était plus du graffiti. Et puis voilà, comme ça a pris et que c'est un peu ça qui m'a fait émerger, j'ai continué, j'ai commencé à peindre sur la céramique du métro. Voilà, donc en fait je peins pas vraiment sur des toiles parce que déjà j'y arrive pas, j'ai pas fait les beaux-arts, donc je sais même pas me servir d'un pinceau en fait. Donc je peins toujours avec des bombes à aérosol et des marqueurs que j'utilisais dans la rue. C'est intéressant ce que tu viens de dire en effet, parce que je pense que l'antériorité des graffeurs, on doit citer quand même, même si certains vont prétendre le contraire, je pense à Jean-Michel Basquiat qui était un vrai graffeur qui a vite oublié la rue et qui, lui, a réussi à faire du support surface, je pense à ses réfrigérateurs, des portes, toutes sortes de choses, donc il a fait, comme toi, de la véritable récupération. Et lui, je pense qu'il est l'un des premiers à avoir utilisé, dans le langage pictural, le langage scriptural, et qui a un véritable message et une véritable revendication dans son travail, et que la lecture soit beaucoup plus simple. Et je pense que si vous, street art ou graffeur, en l'occurrence toi, tu utilises, c'est aussi que tu as un message. Tu dis pas n'importe quoi, tu cites pas du Baudelaire ou du Garcia Lorca. Non, mais au risque de vous décevoir, en fait, j'ai pas de message. Moi, je travaille autour de l'écriture et des couleurs. Et honnêtement, à part écrire mon nom, dans mon travail... Mais comme John Wan, c'est pareil. Oui, mais de toute façon, voilà, moi, je reste fidèle à ce qu'est le graffiti, qui consiste à écrire son nom le plus de fois possible pour être reconnu. Et c'est ce que je continue à faire. Alors, c'est quoi cette volonté? Elle est mégalo et on crée... On veut se faire connaître sur du vide. Je pense que c'est une maladie. Il faut être honnête. Écrire son nom, c'est quelque chose de d'inné. Et voilà. Enfin, c'est le principe du graffiti. Et on peut l'écrire de mille manières différentes. Alors, c'est-à-dire que je l'ai écrit 10 000 fois sur des plaques de métro. Et à chaque fois, je change les couleurs, je change le sens, je change la perspective. Donc finalement, c'est illimité. L'écriture, elle change, elle évolue. Je fais de la calligraphie aussi. J'essaye plein de choses. Alors, calligraphie, tu sais que... Ça vient du grec, hein, ça veut dire la belle écriture, Kali. Et puis, voilà, la belle écriture. Le graffiti, c'est une belle écriture. C'est-à-dire qu'il on le reconnaît. Il faut savoir la décoder, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir des tags dans la rue qui défigurent les rues, mais ce qui défigure la rue, c'est aussi la publicité, l'architecture. Il y a plein de choses qui sont imposées et qui défigurent la rue. Mais en fait, le tag, à la base, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière ça, il y a des choses plus intéressantes. C'est pour ça qu'on t'a invité. C'est justement pour expliquer que il y a une véritable technique. Ma définition de l'art, c'est une technique et un esprit. Techné et l'esprit. L'esprit, c'est la créativité, c'est le poète. Et la technique, c'est celle que tu dois apprendre. Je ne sais pas s'il y a de l'esprit chez les graffeurs, mais en tout cas, il y a une technique qui est très aboutie et qui est très complexe. Après, l'enveloppe, c'est-à-dire le travail sous-jacent, le travail des fonds, le travail des couleurs et l'orchestration des couleurs, bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, la question est de savoir, est-ce que le graphe, c'est seulement une écriture pour dire, en levant le doigt, j'existe, mais derrière, j'ai pas grand-chose, ou est-ce que, au contraire, tu penses qu'il peut y avoir une évolution et que le street art peut être autre chose qu'un simple graphisme? Parce que tu signes pas tes œuvres, au fond, puisqu'il y a marqué ton nom. Je les signe, mais souvent, je suis comme toi, j'oublie de les signer. Ok. Alors, moi, j'ai deux autres questions. Alors, question importante, pourquoi tu te caches derrière
ce nom Nasty. C'est très important. J'ai aucune arrière-pensée. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, j'ai déjà ma réponse, mais en l'occurrence, quand tu es très jeune et que tu as 11, 12, 13 ans, et que tu vois le mouvement des États-Unis, et toi, tu es fasciné, tout est écrit en anglais. Donc, le truc que tu fais, c'est que tu ouvres un dictionnaire anglais, et tu l'ouvres, tu tombes sur N, A, ou je sais pas quoi, et tu cherches un mot qui sonne bien. Moi, j'ai ouvert un dictionnaire, je suis tombé sur Nasty, ça m'a plu, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, et je l'ai pris parce que ça sonnait bien et les lettres me plaisaient. C'est aussi simple que ça. Et maintenant aujourd'hui, ça me colle à la peau. Les gens m'appellent Nasty, et ils ne savent pas que je m'appelle Alexandre, tu vois. Donc, c'est pas que je me cache derrière ça, c'est que c'est devenu. C'est que c'est devenu mon nom, quoi. Alors, j'avais une autre question très importante. Est-ce que tu penses être un artiste? Alors, c'est pareil, j'ai ma réponse. Ma réponse, c'est oui, bien évidemment. Mais est-ce que tu penses être un artiste? Oui, comment et pourquoi? Je pense que c'est plutôt aux gens de demander ça. Je pense que les gens me voient comme un artiste. C'est bien. Voilà la et réponse. Moi, j'ai la faculté de leur faire croire que je suis un artiste. Mais tout ça, c'est des choses qui vont, qui viennent. À un moment, on est en haut, à un moment, on est en bas. Je sais très bien comment ça a commencé. J'étais tout en bas, comme plein d'autres gens qui sont maintenant en haut et ils vont redescendre. Et c'est un cycle, c'est ça l'histoire de l'art. Alors ça, c'est très bien. C'est très bien. Au moins, c'est l'humilité. Ensuite, dernière question. Est-ce que tu parles en ton nom? Là, attention, là, il y a un piège. Où est-ce que tu parles au nom du street art? Alors, exceptionnellement, et vous allez voir, eu égard à mes critiques, j'arrive à me remettre en question quand même. L'émission va être en deux parties. Nous avons eu une interview très intéressante avec Nasty. Donc, je pense qu'on fera deux émissions afin d'illustrer le street art au travers de Nasty, même s'il y a d'autres street art, hein, comme John Wan, par exemple, qui est un de mes amis. Donc j'arrive à être ami avec beaucoup de street art. Je ne suis pas toujours d'accord avec leur travail. Bien sûr, on s'arrête un peu à brûle pour point, mais dans la deuxième partie de notre émission, vous verrez que la polémique ne s'arrête pas. Et nous mettons le feu à la ville. À bientôt, je vous laisse juge. À bientôt, au revoir.